Pour apprendre ce tour, il vous faudra utiliser la technique d'apprentissage du shaping. Si vous ne connaissez pas, un guide gratuit est à disposition sur sinotopia.fr. La façon la plus classique pour apprendre à un chien à porter un objet, c'est de le mettre à terre et de cliquer toute interaction avec. Je vais vous en montrer une autre, plus pratique, issue de l'obéissance. Nous allons présenter au chien un objet qu'on tiendra par les bords extérieurs, comme ici sur la photo. Notre but sera de favoriser une prise en gueule juste derrière les canines, pour éviter le mâchonnement. Proposer l'objet au chien et cliquer tout intérêt, tout regard, toute interaction avec. Puis progresser doucement pour arriver à la prise en gueule sans jamais lâcher l'objet. Cliquez bien au moment où votre chien touche l'objet avec ses crocs et pas quand il le lâche. Tirez doucement l'objet vers vous pour que votre chien resserre sa prise et résiste. Une fois que vous avez une prise bien ferme derrière les canines et un petit peu de durée, vous allez pouvoir commencer à lâcher l'objet puis à le reprendre tout de suite après. Là aussi, ajoutez de la durée progressivement. Si la prise n'est pas assez ferme, si le chien mâchonne l'objet ou le lâche avant le clic, récupérez-le et recommencez. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Bon courage! Yes, good boy, super.